Hasta los días, tal, tal, tal. Michama, salut mes amis, salut, 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 comment vous allez? Aujourd'hui, je suis venu envoyer quelque chose ici à la poste. Je suis venu avec le bus et je vais rentrer à la maison avec le bus. Je vais faire voir comment ici à Austin ça marche le système de bus. Sauf qu'il faut avoir la patience. Hein. Si tu es déjà habitué avec la voiture, ça sera difficile pour toi. Je vais vous faire voir comment je vais mettre l'adresse sur mon appareil pour voir à quelle heure que le bus va passer et combien de temps que je vais espérer pour aller à la maison. Ok? Vous voyez ici? Si je partais en voiture, regardez bien, en voiture aussi, 3 minutes en voiture, vous voyez? 3 minutes en voiture. Et regardez. Maintenant, si je prenais le bus, combien de temps? Ça va arriver à 17 à 15h. Nous sommes ici, quelle heure est-il? Nous sommes 14h54. 14h54, le bus va venir à 15h. À 15h07. Ça sera là-bas le bus. Vous voyez? Justement ici. Je vais un peu partir là-bas pour vous. Donc je vais attendre un peu, plus ou moins. Plus ou moins 15 minutes pour que le bus vienne. Alors si j'avais la voiture, si j'avais la voiture ici, avec la voiture, j'allais faire 3 minutes pour arriver à la maison peut-être. Avec la voiture c'est 3 minutes, mais avec le bus, je vais attendre plus ou moins 15 minutes pour que le bus passe. Alors 15 minutes, mais avant que je puisse faire cette vidéo, j'étais ici, ça me restait 18 à 20 minutes. Ouais. C'est ça l'arrêt, les panneaux ici. D'autres arrêts, ça c'est l'arrêt le plus simple, c'est le plus simple ici, l'arrêt ici. Mais souvent les arrêts, il y a une chaise pour s'asseoir ici. Il y a une chaise, même s'il pleut, tu peux pas avoir, la pluie ne va pas tomber sur toi. Là, je serai obligé d'aller ici au coin. Pour s'éteindre, pour pas ce qu'il fait avec le soleil, je ne peux pas rester au soleil. Je vais rester ici à l'ombre. Je vais rester ici derrière une poubelle. Ce que vous voyez ici, c'est une poubelle. Je serai là accroché derrière cette poubelle pour un peu profiter du sombre. Et après, je vais attendre le bus. Ça va durer plus ou moins 12 minutes pour que ça arrive ici. Pendant ces 12 minutes, je serai déjà à la maison si j'avais la voiture. Je serai ici, vous voyez. Mes amis, poubelle, mais je suis là à côté de la poubelle. Je peux bien. Ça sent bon cette poubelle ici. Ça sent bon. La poubelle, ça sent bon même, mes amis. Oh. On voit les poubelles, la poubelle. Ça sent bon, ça sent pas mauvais, ça sent bon. Ça, c'est poubelle même ici, ça sent bon. Il n'y a pas les mauvaises odeurs. Hey, imaginez, tu pars au grand marché. Hein? Maman, quand tu pars au grand marché. Toi, c'est la poubelle ici, toi ici. Tu vas vomir. Tu vas vomir. Mais je suis là, près de la poubelle. J'attends le bus. Je vais vous faire voir comment ça marche. Le bus ici. Tu peux payer par carte de crédit. Un carte bancaire, tu peux passer. Et tu peux acheter. Souvent, moi, j'ai toujours une carte. Une carte de 1 mois. Et je passe sur le bus. Et ici, à Austin, l'année dernière, le mois de novembre, le bus était gratuit. C'est comme si chaque année, le mois de novembre, le bus est gratuit. Tout un mois, le bus est gratuit. Tu peux marcher avec le bus, c'est gratuit. Tu vois, c'est difficile de marcher avec le bus. Il faut avoir la patience, vraiment, la patience. Et quand le bus va venir, je vais même filmer aussi le bus, comment ça est dedans. S'il y aura beaucoup de gens ou il n'y aura pas beaucoup de gens. On va voir ça ensemble. Franchement, depuis que je suis là, le bus ne vient pas. Le bus ne vient pas, ça arrive pas, ça vient pas. Et je ne veux pas perdre une heure de temps ici. Parce que si dans 15 minutes, ce n'est pas venu, et on me dit dans 30 minutes, ça va venir. Rien ne me rassure que dans 30 minutes, ça va venir. Et je serai obligé de partir en pied. En pied, ça va donner combien de minutes?
Ça, c'est la réalité des marchandises. Et ça va donner, pour partir d'ici en pied, ça va donner... Non, je suis seul ici, je marche. Seul. Il n'y a pas le bus. Si vous voyez comme ça, le fleur comme ça, c'est quelqu'un qui était mort ici. Ou bien une voiture avait tamponné quelqu'un. Et quelqu'un est mort. Vous aimez les voitures, non? J'ai beaucoup de voitures que j'avais filmées sur ma chaîne. J'ai filmé plusieurs voitures, vous allez voir pendant toute cette mois-ci. L'ignorance. Parfois aussi, c'est bien de marcher comme ça. Ça aide. Ici, beaucoup de gens qui n'ont pas de voiture, ils essaient un peu d'avoir le vélo. Et tout le bus transporte aussi des vélos. Je pense que je veux marcher de ce côté-là. Parce que si je continue ici, voilà, devant, ça va se séparer et ça sera difficile pour moi de traverser. Ça sera mieux pour moi de traverser déjà ici, de l'autre côté. Je vais chercher là où je vais traverser déjà. Ouais. On m'avait dit que c'était 12 minutes. J'ai entendu 12 minutes. Rien. Le bus n'est pas venu. On me dit qu'il faut attendre. Il faut attendre 27 minutes, mes amis. 27 minutes plus le 20 minutes que j'avais perdu là, c'était. Ça va faire plus ou moins une heure du temps. Une heure du temps à l'arrêt. En train d'attendre un bus. Là où moi j'habite, c'est 3 minutes de la voiture. Si je pars en pied, ça va donner plus ou moins 20 minutes. Je n'ai pas voulu partir en pied 20 minutes pendant qu'il y a le bus qui va venir à 15 minutes. Mais le bus m'a déçu. C'est la réalité d'ici. C'est la réalité. C'est la réalité. Réalité d'ici. Le bus m'a déçu. Ok, là où je suis en train de partir. C'est 3 minutes de la voiture, 3 minutes. En pied, c'est 20 minutes. Si j'avais mon vélo, parce que j'ai un vélo de course, mais ce n'est pas la maison. Ce vélo-là est dans la maison d'un ami à moi, un Américain. Parce que moi, j'avais changé l'appartement et ce vélo-là, c'est dans la maison d'un ami américain. Alors... voyez un peu les réalités. J'ai attendu le bus ne vient pas. Et on me dit de... Tu vois, quand tu marches souvent avec le bus, tu fais toujours comme ça. Est-ce que c'est venu? Est-ce que ça va venir? Tu vois, c'est réalité de marcher avec le bus ici aux États-Unis. Et si vous regardez, je suis presque seul ici à la route parce que personne marche avec le bus ici. Personne marche avec le bus. Excusez un peu avec le bruit. Je vais essayer de parler un peu fort. Vous voyez là? Là où je suis là-bas. Est-ce que vous voyez bien? C'est là où on lave le voiture. Là, on lave le voiture. Tu viens avec ta voiture. Tu vas venir avec ta voiture là. Toi, tu es dedans. Et on fait que laver ta voiture. Vous voyez? C'est avantageux, non? C'est avantageux. Tu payes, si c'est, je ne sais pas, 5 dollars, on lave ta voiture. Ce n'est pas les gens qui vont laver, ce sont les machines qui vont laver ta voiture. Ici, je vais revoir les voitures. J'ai beaucoup de vidéos pour les voitures. Vous avez vu les voitures? On voit les voitures ici. Toutes sortes de voitures. Use véhicules. On dit là-bas, use. Attends. Vous voyez? Use véhicule. Comme c'est la caméra est. Et bouleversé, vous n'allez pas bien être bien lire, mais c'est use vehicle. Ce sont les véhicules déjà utilisés. Alors, tous ces véhicules que vous voyez ici, on les vend. Vous voyez? Des avantages de marcher avec les bus. Quand tu marches avec les bus ici aux États-Unis, s'il y a le bus qui vient là-bas, les amis, il y a aussi une possibilité pour moi d'attendre le bus au prochain arrêt. Mais sauf que ce ne sera pas le cas parce que je suis désespéré, marcher avec le bus m'a déçu. Ici à Austin, c'est une ville là où
c'est facile hein, avec le bus ici. C'est l'une des villes où tu peux marcher avec le bus. C'est facile de marcher avec le bus. Bon, c'est pas mauvais, comme j'ai aussi grossi, ça m'aide aussi à faire un peu de l'académie, de marcher un peu. Donc, le bus ne vient pas toujours. Donc, le jour que tu vas arriver ici, un jour, tu vas savoir que quand tu vas marcher avec le bus, ça sera toujours comme ça. Il y a les endroits comme là-bas à Dallas, il n'y a même pas les bus. Il n'y a pas les bus, papa. Il n'y a pas les bus. Seulement quand tu es là, tout près de downtown, le centre-ville d'un peu de Dallas, il y a un peu de bus. Mais tout ce qui reste là, les Fort Worth, l'autre là, les quatre coins là, il n'y a pas de bus. Il n'y a pas les bus. Moi, j'étais là-bas, il n'y a pas les bus. Pour aller même là où il y a les bus, tu vas marcher même une heure du temps en train de marcher pour voir là où il y a les bus. Donc, je suis obligé de rentrer à pied. Vous allez m'accompagner. Alors, fais comme ça, quand tu rentres comme ça à pied, tu prends un peu les arachides. Tu prends un peu les arachides. Tu manges les arachides. Et puis, tu marches. Nous, chez nous, on appelait ça ligne 11. Donc, j'ai fait les lignes 11. Ligne 11 aux États-Unis, parce que. Et vous me demandez pourquoi tu ne veux pas venir avec ta voiture? Je n'ai pas venu avec ma voiture parce que j'ai laissé ma voiture à la maison aujourd'hui. Je me suis dit, je vais un peu risquer de faire aussi une vidéo pour vous faire voir comment c'est la réalité. Comment est la réalité de marcher. Comment est la réalité de marcher en pied. De marcher avec le bus ici. Comment est la réalité de marcher avec le bus. Le bus ici c'est différent, c'est difficile. Donc quand tu vas venir ici, tu vas avoir problème de marcher avec le bus ici. Il faut avoir beaucoup de la patience. Moi je n'ai pas la patience. Je veux déjà partir. Je préfère gaspiller mes 20 minutes en marchant que rester 30 minutes encore. J'ai déjà perdu autre minute, rester encore. Donc pour moi il n'y a pas cette patience là. Il n'y a pas cette patience. Le soleil que vous voyez ici. J'ai même porté un jaquette, mais c'est normal. Il y a seulement le soleil, mais ça pique pas le soleil ici. Ça pique pas. Donc je suis seul ici. Je vais tourner la caméra que vous puissiez voir. C'est ça l'arrêt de bus. Ça c'est les gars. Leur gars. Là où tout le bus vient ici. C'est comme l'air gare, non? Parce que vous voyez, ce n'est pas l'extérieur, c'est dedans. C'est comme l'air gare. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, mes camarades. Je suis arrivé, ça me reste 2 minutes. Il ne faut pas calculer la durée de la vidéo, parce que j'avais coupé. J'avais coupé la vidéo. Je veux sortir. Je suis presque arrivé. Je vais encore marcher plus ou moins 10 minutes pour arriver. Et je vais finir la vidéo maintenant. Donc si vous avez aimé, partagez. Si vous avez aimé. Et je pense que je vais traverser là-bas. Okay. Ok, c'est un peu ça. Et pour vous faire voir la réalité d'ici. Quand tu vas venir, si tu n'as pas le. Tu n'as pas l'argent pour la voiture, tu vas souffrir. Tu vas souffrir un peu. Donc, quand je parlais des arrêts de bus, ici les arrêts de bus sont comme ça. Ouais, les arrêts de bus sont comme ça. Il y a une poubelle ici pour jeter la poubelle et il y a une chaise ici pour s'asseoir, même s'il pleut et tu peux pas te mouiller quoi. Donc, c'est un peu ça, les amis. L'émission est finie. Ciao, ciao.